Bonjour, aujourd'hui nous allons parler vlog. Dis bonjour à Zabani. Dis bonjour. Même pas ta queue. Bonjour. C'est là qu'il faut regarder. Elle. Bonjour. Salut les amis, aujourd'hui, nouvelle vidéo. On va s'attarder à comment faire une vidéo sur YouTube. C'est parti. J'ai commencé l'aventure YouTube il y a tout juste un an pour partager avec vous mon quotidien sous forme de vlog. Un vlog, c'est un épisode. Un épisode, c'est un mini-film. Un mini-film, c'est une histoire. L'objectif d'un vlog, c'est pas filmer toute sa journée, mais c'est bien plus recherché que ça. Alors, j'ai deux types de vidéos. J'ai celle où je pars en voyage. Donc ici, je prépare rien. C'est vraiment du vlog freestyle sans préparation. Et j'ai celle où je suis à Lyon. Et ici, tout commence avec du papier et un crayon. Voilà les amis, je commence chacune de mes vidéos comme ça. Je prends une feuille, un crayon et j'inscris une ou deux idées fortes sur lesquelles va reposer le vlog. Et pour ce faire, j'utilise une technique du cinéma qui consiste à écrire un script. Et ce script, il tient en trois actes. Le premier, c'est la base de l'histoire. C'est ici qu'on va poser le contexte, qu'on va présenter les choses. L'idée, c'est de capter l'attention du spectateur. Deuxième acte, c'est la partie principale de l'histoire. C'est là où on va raconter tout ce qu'on a à dire sur le sujet. Et troisième acte, ça coule de source. C'est la résolution de l'histoire, c'est-à-dire la fin. Et c'est ici qu'on conclut sur le sujet. Alors, il m'arrive bien souvent de respecter cet ordre-là. Par exemple, quand j'ai fait ma vidéo sur les 1 an, je vous ai raconté que c'était dur pour moi de passer devant la caméra. Premier acte. Ensuite, je vous ai présenté tout ce que j'ai pu faire pendant mon année. Deuxième acte. Et ensuite, je vous ai présenté le programme de la suite de mes aventures. Troisième acte. Alors, quand j'écris des scripts, en fait, j'ai deux façons de fonctionner. Soit j'écris les grandes idées du vlog, c'est-à-dire que là, par exemple, pour le vlog précédent, j'avais prévu de me réveiller. Tiens donc, prévu de se réveiller. Ensuite, crossfit. Ensuite, parler de l'iPhone 8. Ensuite, boulot. Ensuite, ouvrir des cadeaux. Et ensuite, vous présenter un petit peu Lyon. Ça, c'est ce que j'avais prévu sous forme de bullet point. Ensuite, il y a la deuxième façon de fonctionner qui consiste à écrire pratiquement tout le contenu du vlog. Donc, ça m'arrive pas souvent, je le fais de temps en temps, je l'ai fait par exemple pour la vidéo de l'iPhone 8 ou du Samsung S8 parce que ça me permet de respecter un cadre et de pas dire de bêtises. Quand c'est ça, généralement, je prends juste un rouleau scotch et j'ai juste à le coller au-dessus de ma caméra. Comme ça, je lis la phrase que j'avais à mémoriser et ensuite je la récite devant la caméra. C'est assez pratique. Étape suivante, le matos. J'apprends le matériel non pas comme une finalité, mais plutôt comme un outil. Il permet d'écrire une partition, mais pas de jouer de la musique. Donc les gars, c'est pas votre matos qui vous fera percer, mais plutôt votre créativité. Pour ma part, j'utilise un Lumix G80. C'est un appareil assez polyvalent, qui filme super bien, il filme en 4K, en 30, 50 ou 60 images. J'ai monté dessus un micro, le Rode Video Micro. C'est un micro qui coûte à peu près 60€ et qui permet de capter uniquement le son de la voix. Ensuite, ça c'est la base de base, j'ai ce qu'on appelle un GorillaPod de la marque Joby. C'est une sorte de trépied désarticulé qui permet soit de poser la caméra n'importe où, soit de la tenir quand on est en mouvement. Ensuite, pour les vues embarquées, j'ai ma petite GoPro Hero 5 qui me suit partout. C'est une caméra assez exceptionnelle qui permet de filmer en 4K. Avec, j'ai tout un lot d'accessoires qui permet vraiment de la positionner partout. J'ai une ventouse, j'ai des attaches. Bref, je la prends tout le temps. Pour les vues en hauteur, j'utilise mon ancienne caméra, un Canon 700D que j'ai fixé ici pour que je puisse avoir une vue aérienne de mon bureau. Pour les vues aériennes, j'utilise celui qui me suit partout lui aussi, c'est le Parrot Bebop 2. C'est un petit peu la 205 GTI des drones qui fait tout ce qu'on lui demande sans avoir tout plein de gadgets technologiques. Et franchement, ça fait le travail. Pour avoir d'autres angles de vue, j'en fais souvent, j'utilise principalement mon iPhone, celui qui me suit partout. J'utilise aussi deux projecteurs. Voici Tom, voici Jerry. Place maintenant à l'étape la plus importante, c'est le tournage. C'est ici que vos idées vont prendre vie. Pour chaque vlog, je me mets en 50 images secondes en Full HD et c'est parti. Dans mes vlogs, j'alterne toujours entre trois types de plans. Les plans en mouvement. Ici, je prends ma caméra et j'essaye de vous emmener en mouvement avec moi.
les plans en contexte, c'est-à-dire que ici, je vais poser ma cam pour que vous puissiez me voir intégralement dans l'espace et savoir vraiment où j'évolue. Les plans parlés, alors c'est ici que j'essaye de trouver un cadre un peu sympa et que je prends le temps de vous parler et de rentrer dans le détail des sujets. Alors il y en a beaucoup qui me disent qu'ils ont peur de se lancer, qui ont peur de se filmer dans la rue. Si j'ai un conseil, les gens ils s'en foutent de vous et vous, vous les recroiserez pas demain dans la rue. Donc vous vous en foutez, vous prenez votre cam, vous sortez, si vous avez envie de faire des choses dans la vie, faites-les, comme ça vous ne regretterez rien. Et enfin, les plans paysages, c'est ici que je vais faire des zooms, que je vais faire des timelapses, que je vais faire des focus sur tout un tas de choses du paysage. Et c'est sur ces plans que je vais essayer de caler ma musique. Aperçu. Place à la dernière partie, le montage. Lors du tournage, vous donnez vie à vos idées. Lors du montage, vous leur donnez une âme. Putain, c'est profond ça. Pour chacun de mes montages, j'utilise toujours trois choses. Un MacBook Pro Retina de 2013, 8 Go de RAM et un disque SSD de 250 Go, Final Cut Pro X et deux disques durs. Un disque SSD de 250 Go pour faire le montage dessus et un disque de 1 Tera pour stocker tous mes rushs et mes vlogs une fois montés. Je peux dire qu'après plus de 100 vlogs montés, j'ai réussi à industrialiser un peu le process. Avant, pour monter un vlog de 10 minutes, je mettais à peu près 8 à 9 heures. Aujourd'hui, c'est deux fois moins. Alors, que je vous raconte un petit peu, pour faire mes montages, il y a plusieurs étapes. Première étape, j'ouvre Final Cut, j'insère la carte SD, je crée une nouvelle bibliothèque, je crée un projet et j'importe mes rushs. Deuxième étape, le dérushage. Une fois glissé, j'appuie sur la touche M pour pouvoir marquer les plans avec un point clé. Comme ça, à la fin, j'ai juste à virer la partie qui ne me sert pas. Concernant les plans parlés, pour que mes vidéos soient un maximum dynamiques, je coupe quand il y a des blancs ou quand il y a des hésitations, c'est-à-dire les... Parce que c'est chiant maintenant. Pour les plans de paysage ou les plans d'illustration, ils sont toujours accompagnés de musique. Alors, encore une fois, pour que ça soit un maximum dynamique et agréable à la vue comme à l'oreille, je change de plan à chaque fois qu'on entend un coup de grosse caisse ou de caisse claire. C'est-à-dire à chaque poum, pa, je change de plan. Poum, poum, pam, là je peux changer deux fois. Poum, pa, poum, poum, pa, poum, pa, poum. Voilà. Ensuite, grande question, comment je fais pour trouver et utiliser des musiques? J'ai deux choses. La première, c'est SoundCloud. Je passe pas mal de temps à rechercher des artistes, des musiques. C'est pas évident à trouver, mais une fois que je les ai trouvées, j'envoie toujours un message au créateur pour savoir si je peux utiliser ou non sa musique. Dans 90% des cas, le créateur répond et me dit oui. Et deuxième chose, c'est la bibliothèque audio de YouTube. En gros, c'est YouTube qui met à disposition tout plein de musique. On a du rock, du rap, etc., etc. Franchement, j'en utilise assez souvent, surtout pour des musiques rock'n'roll comme celle-ci. Je le fais depuis quelques vlogs, je modifie systématiquement la colorimétrie de mes plans. C'est-à-dire que je sature un peu moins les vidéos et j'essaye d'affiner en fonction de la lumière, des plans, etc., etc. Exemple, colorimétrie, sans colorimétrie. Colorimétrie, sans colorimétrie. Colorimétrie, sans colorimétrie. Colorimétrie, la gueule. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour les amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai passé pas mal de temps à la faire. J'espère que vous avez compris un petit peu mon mode de fonctionnement. J'espère qu'il y a des choses qui vous aideront pour faire vos vidéos. J'espère que ceux qui hésitaient à se lancer se lanceront parce que c'est quand même une super aventure. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Mettez un pouce bleu, posez-moi vos questions en commentaire. Ah oui, et surtout, je pense préparer une petite FAQ d'ici peu de temps. Donc si vous avez des questions sur
tout et n'importe quoi. Les montages, les vlogs, mes voyages, mon boulot. Bref, tout ce que vous voulez, posez-moi ça en commentaire et j'essaierai de répondre à tout le monde. Ou presque, en vidéo. Merci à tous. Salut. Hey, tu vois ma tête ici là? Juste là. Clique dessus, tu vas voir, il se passe un truc extraordinaire. Tu vas pouvoir réaliser un vœu. Oui, essaye, clique sur s'abonner, clique sur la petite cloche et tu verras, un rêve va se réaliser. C'est ouf!